ABC Delph. Delph B1. Copyright Clé Internationale 2012. Compréhension orale. 1. Comprendre une interaction entre locuteurs natifs. Activité 1. Tu as vu les photos des dernières vacances? Non, fais voir. Qui est-ce là? Oh, mais c'est Nadia! Oui, elle a changé, hein? Remarque, c'est normal. Elle a bientôt 8 ans. C'est quand son anniversaire? Qu'est-ce que tu vas lui offrir? Je ne sais pas. Elle est tellement gâtée. Elle a tout. Elle aime chanter, je crois. Alors pourquoi pas un album Star My Name? C'est un nouveau groupe? Non, starmyname.com est un site où tu peux commander un album de 10 chansons personnalisées avec le prénom de ta nièce. C'est original comme idée, ça. Je ne connaissais pas. Mais ça doit être cher. Et il faut sans doute beaucoup de temps. Mais pas du tout. J'ai une copine qui l'a fait pour sa fille. Ça ne lui a coûté pas tout à fait 30 euros. Et 2 ou 3 jours après, elle avait l'album avec le livret des paroles. C'est possible d'entendre les chansons avant? Tu vas sur le site de Star My Name. Et là, dans une liste de plus de 700 prénoms, tu trouveras peut-être le prénom de Nadia. Il te suffit de cliquer dessus et tu entends des extraits des chansons. Et s'il n'y est pas, les chansons sont enregistrées sur mesure. 700 prénoms ? Olivier, le créateur du site, a eu cette idée pour la naissance de son premier enfant. Puis il l'a fait pour des amis des amis. À chaque fois, il rechantait les 10 chansons avec le nouveau prénom. La liste des prénoms s'est allongée et le site est né. Bon, eh bien, je crois que je vais commander un album. Nadia va être contente. Tu peux même lui envoyer une carte d'anniversaire électronique avec une chanson à son nom. Et aussi, pour son goûter d'anniversaire, faire imprimer des cartes d'invitation pour ses copains et copines. Activité 2. Tiens, Jacqueline, comment vas-tu? On ne te voit plus au Qigong. Qu'est-ce que tu deviens? Non, cette année, j'ai envie de bouger un peu plus. Je fais de l'urban training. J'ai entendu parler de ce nouveau sport. Ça se pratique dans la rue, en petits groupes et avec un coach. C'est bien ça, non? Oui. On utilise ce qui se trouve autour de nous pour nos exercices. C'est amusant et dynamique. C'est réservé à des sportifs confirmés, alors? Non, il y a plusieurs niveaux. Pour le moment, je fais ça avec un club. L'animateur nous montre les bons gestes et voit ce qui convient à chacun. Il faut des vêtements particuliers? Pas vraiment. Il faut surtout des chaussures adaptées de type running, c'est-à-dire pour courir. Et des vêtements qui permettent de faire de grands gestes. Il faut aussi des gants pour protéger les mains. Et puis, on recommande d'avoir une ceinture pour accrocher une bouteille d'eau. Il faut absolument se réhydrater à tout moment. Et qu'est-ce que vous faites exactement? On commence par l'échauffement, pendant 10 minutes environ. L'échauffement est très important. Il permet d'augmenter progressivement les pulsations cardiaques. Ensuite, ce sont les exercices proprement dits. Comme quoi? Des abdos sur des marches, des tractions accrochées à une barre, ou encore des pompes sur un banc. S'il y a des escalators, on les monte le plus vite possible. Eh bien, c'est tonique. Et tout ça pendant une heure? Oui. Et on termine par un moment de stretching et de détente pour retrouver son rythme cardiaque en douceur. Là, tu pourrais faire du Qigong. Ça n'a pas l'air mal. Ah oui, si on le fait à son rythme. Et ce qui est formidable, c'est qu'en plus, tu redécouvres ta ville. Activité 3. Madame Boinard, merci de nous recevoir. Vous êtes chef de la division prévention et partenariat à la Direction centrale de la sécurité publique. Pouvez-vous dire quelles sont les personnes les plus vulnérables aux arnaques? Ce sont les personnes âgées. Les escrocs profitent de leur faiblesse. Ils sont souvent isolés, parfois touchés par le décès de leur mari ou de leur femme. Quelles sont les situations à risque pour ces personnes? Les seniors sont les premières victimes des voleurs. Ils sonnent chez eux, se font passer pour de faux policiers ou de faux agents de la société du gaz et de l'électricité. Souvent, ils viennent à deux. L'un des deux parle avec eux, le distrait, et pendant ce temps, l'autre vole l'argent, les bijoux. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Demander son nom et sa carte professionnelle à la personne qui vient chez eux. S'ils ont un doute, ils peuvent appeler le commissariat de police. Quelles sont les autres arnaques? Les personnes âgées sont aussi les victimes des démarcheurs. Ceux-ci leur proposent d'acheter des biens ou de réaliser des travaux chez eux à un prix, en fait, bien au-dessus de leur valeur réelle. Quelles sont les actions de la police et de la gendarmerie auprès des personnes âgées? Depuis l'été 2010, il existe un plan d'action national appelé Opération Tranquillité Senior. Nous organisons des réunions de prévention avec les personnes âgées et les personnes proches d'elles.
Mais nous leur recommandons surtout de garder un lien avec leur famille et leurs voisins, ou encore de faire partie d'associations. C'est l'isolement qui les rend plus fragiles, plus vulnérables. Activité 6. Tu rentres encore bien tard ce soir? Il exagère, ton patron. Vous n'avez pas encore fini votre nouveau catalogue? Si, ça y est. Il est enfin terminé. Vous avez programmé de nouvelles excursions, de nouvelles visites? Non, pas vraiment. Nous avons augmenté les propositions pour les sites les plus demandés. La Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, Versailles... Mais non, pas du tout. Sais-tu quel est de très loin le site le plus visité en France? Il a fait plus du double de visites que la Tour Eiffel. Eh bien, c'est Disneyland Paris, avec 15,3 millions de visiteurs en 2010. Tu te rends compte? C'est plus de 20% des 79 millions de touristes venus en France. Et nos vieilles pierres, nos musées, ils n'attirent plus les touristes? Mais si, rassure-toi. Sur les 10 sites les plus visités, il y a 2 musées, 2 centres culturels, 2 monuments, un palais... Quels sont les musées? Le Louvre, Orsay? Oui, le Louvre vient après Disneyland, juste avant la Tour Eiffel. Et Orsay est à la 7e place. Le palais, c'est Versailles, non? Et le deuxième monument? L'Arc de Triomphe. Avec 1,5 million de visiteurs, il est en dernière position. Versailles est 4e devant le Centre Pompidou, suivi de la Cité des Sciences de la Villette. Ça ne fait pas 10 sites. Tu as raison. Il manque 2 parcs d'attractions. Le parc Astérix, qui est 8e, et le Futuroscope, 9e, avec un peu moins de visiteurs. 8 sites sur 10 sont en région parisienne et à Paris, alors? C'est normal. C'est là qu'il y a le plus de touristes. Activité 7. Bonjour, madame. 5 fruits et légumes par jour. Tout le monde connaît ce slogan. Si j'ai bien compris, vous fournissez des fruits dans les entreprises. Pourriez-vous m'expliquer comment cela fonctionne? Oui, bien sûr. Effectivement, depuis 2003, nous proposons un service de fruits en entreprise. Nous sommes convaincus du bien-être du végétal dans les entreprises. Nos techniciens confectionnent des corbeilles de fruits et ils les livrent directement au sein de votre entreprise. D'où proviennent ces fruits? Directement de nos vergers, qui sont situés au cœur de la plaine de Versailles. Nos paniers sont livrés sur un présentoir, sans sous-traitance, par des entreprises de messagerie. Qu'est-ce qu'il y a comme fruits dans vos corbeilles? Ça dépend des saisons. En décembre 2010, nous avions par exemple des clémentines, des litchis, différentes sortes de pommes, des kiwis jaunes, des poires, des oranges bien sûr, des bananes, des pamplemousses et des citrons. Et en juin, des pêches, des nectarines, des fraises, des abricots, des cerises, du raisin. Vous les livrez combien de fois par semaine? Entre 1 et 5 fois par semaine, ça dépend. Et ça coûte combien tout ça? Nos tarifs actuels sont de 45 euros hors taxes par panier de 8 à 12 kilos de fruits pour 2 paniers de fruits ou plus livrés par semaine. Ou 48 euros hors taxes par panier pour un seul panier de fruits par semaine. Ce tarif inclut l'installation, la mise à disposition et l'entretien du présentoir, la confection des paniers et la livraison par les techniciens du verger de Galy. Ce service de distribution est gratuit pour les salariés. Il est solidaire de la Fondation de France pour la recherche contre le cancer, pour le soutien de la filière biologique et pour la protection de l'environnement. Chaque salarié peut alors se servir avec une participation en moyenne de 1 euro pour 3 fruits. Il existe un service gratuit de distribution de paniers de fruits frais, sans programme de solidarité. Une bien belle idée qui non seulement incite à consommer des fruits frais au bureau tout au long de la journée, mais permet aussi plus de convivialité et de naturel dans les relations humaines. Et en plus, elle représente une attention et une reconnaissance pour les salariés de la part de l'entreprise. Bravo! Activité 8. Madame Dupré, vous avez 2 poubelles différentes. Une avec des sacs noirs et l'autre avec des sacs jaunes. C'est pour trier les déchets. Dans les sacs jaunes, on met tout ce qui peut être recyclé. C'est bien pour l'environnement. Chez moi, en Thaïlande, on commence aussi à trier. Oui, mais nous produisons trop de déchets. 390 kilos par an et par personne. Il faut absolument essayer de les réduire. Comment? Depuis longtemps déjà, les hypermarchés proposent des sacs réutilisables. On évite aussi de gaspiller le papier, on n'imprime que ce qui est nécessaire. Tenez, pour vos brouillons, vous pouvez utiliser ces feuilles mal imprimées. Merci, madame. Je trouve aussi qu'en France, vous utilisez trop d'emballages. C'est vrai. Moi, je fais de mon mieux pour les réduire. Par exemple, j'évite les lingettes à usage unique. J'achète des recharges pour les produits ménagers et aussi des piles rechargeables. On nous conseille aussi d'acheter en vrac ou en grand format, parce que les portions individuelles produisent beaucoup de déchets.
Mais pour moi, ce n'est pas vraiment une bonne solution. On ne consomme pas toujours tout avant la date de péremption et on doit jeter des aliments. Alors, le gaspillage alimentaire augmente. Et les vieilles choses, qu'est-ce que vous en faites ? Je donne mes vêtements et mes vieux meubles. Je vends aussi ce que je peux à des brocantes ou des vide-greniers. Et tout le monde fait comme vous ? Non, mais de plus en plus de gens font des efforts. Réduire nos déchets est indispensable si nous voulons protéger l'environnement. Activité 9. Chantal, tu as lu la lettre de l'environnement de Vichy Valdallier ? Non, je n'ai pas eu le temps. Pourquoi ? La communauté d'agglomération décrète 2011, année du métal. Il voudrait arriver à augmenter le tonnage d'acier recyclé sur les trois communes. Passer de 1,95 kg à 2 kg par habitant. Avec quoi ? Nos boîtes de conserve ? Et aussi les canettes. À ce propos, inutile comme tu le fais de nettoyer les boîtes avant de les jeter dans le sac jaune. Il suffit de bien les vider. Tu savais que 20% des emballages en acier recyclé proviennent du tri sélectif ? Non, mais ce que je sais, parce que les écologistes en parlent souvent, c'est que l'acier est le matériau le plus recyclé au monde. C'est vrai. On dit qu'une canette est recyclable à 100% à l'infini. Le métal ne perd jamais ses qualités d'origine. Une canette peut redevenir une canette, mais aussi un frigidaire, un pont, le capot d'une voiture. D'ailleurs, d'après l'article, 54% de l'acier d'une voiture neuve est issu du recyclage. Et comme ils l'écrivent avec humour, en théorie, rien n'interdit de penser qu'une partie de l'épée de Vercingétorix revit dans la tour Eiffel. Mais recycler, c'est aussi préserver les ressources naturelles, non ? La lettre de l'environnement le rappelle, comme elle précise que cela permet aussi de diminuer l'énergie nécessaire à la fabrication d'un nouvel acier et de réduire l'émission de gaz à effet de serre dans l'air. Alors recyclons ! Recyclons ! Tiens, passe-moi ta canette vide.